Alors, nous, t'as dit qu'on était quoi? À Saint-Eulalie. Ouais, c'est là. Ici, nous sommes ici même. On a passé la Dordogne. On est présentement dans les bouchons. Pour encore pas mal de kilomètres. Et on va passer ensuite la Garonne. Nous sommes dans les bouchons de Bordeaux. Puis nous allons remonter ensuite par peut-être par la D1215 en direction de Montalivet. Après 18 heures de bouchons, nous allons enfin passer la Garonne. C'est pas trop tôt. C'est beau San Francisco. Est-ce que ça va être aussi sale que la Dordogne? C'est beau. C'est ça. On voit rien. C'est sale en fait. C'est sale. C'est marron. C'est pas terrible. C'est limite plus sympa là. Que dalle ou végétal? Voilà la petite glacière, Baptiste, la voiture et la tente. On revient de course. On est allé où, Baptiste? Course. Au Aldi. Tu vas pas recommencer. T'es chiant. On a acheté des abricots. Moi, des j'avais le mot escargot dans la tête. Des abricots, tomates, mozza pour faire des sandwichs pour aller à la plage cet après-midi. Des concombres pour faire un taboulé. Non, pour faire un taboulé. Du pain. De l'eau. Et puis il y avait plein de gens. C'était très stressant. Et Baptiste nous a tapé une mini crise d'angoisse parce qu'il y avait beaucoup trop de gens qui allaient dans beaucoup trop de directions. Et du coup, bah, il a fait un caprice pour prendre deux canettes de coca. C'était un, mais rien à voir. Que naze. Baptiste a perdu une de ses méduses dans l'océan. Tu l'envoies à qui ça? À personne. Okay. C'est pour nos archives personnelles. Elle est pas belle la vie? La matinée. Ah d'accord. Et coupé. Oh la vache. Alors voilà notre art. Au centre. Le yin-yang, un peu plus loin, des fesses et des cacas, et encore plus loin, des petites gouttes d'eau. Magnifique mandala sur la plage par les babos babateska. Bonjour l'artiste. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, et vous? Et moi, vous? Et vous, moi, pardon? C'est tout un art! Une pure merveille! Pointe de Grave. Verdon-sur-Mer, c'est ça. Alors, je vais les voir. Baptiste. On va voir à l'accueil si on peut rester une nuit de plus. Il fait très chaud. Hier, il faisait plutôt frais quand on est arrivé. La nuit, il a fait quelque chose comme 12-10 degrés. On avait vraiment très très froid dans la tente. Quand les oiseaux se sont mis à chanter ce matin, j'étais contente que la nuit soit terminée. Je me suis dit enfin.
Et donc ce matin, on allait faire des petites courses pour faire des sandwichs. Ensuite, on a fait à peu près 4 heures de plage. Et là, donc on est à Montalivet, pas loin de, un peu plus en haut de Bordeaux. Et on va visiter Soulac-sur-Mer et quoi déjà ? Verdon-sur-Mer. Verdon-sur-Mer, ouais. Voilà, il y a un petit port, je pense. Baptiste était parti demander à l'accueil si on pouvait rester une nuit de plus. Et c'est ok. Et c'est ok. Donc c'est parfait, on reste une nuit de plus. T'es contente sous Soulac-sur-Mer ? Ouais. C'est beau. C'est trop beau. Et le sol, il est beau aussi. Tout est beau. Attends. Il y a une grande famille. J'ai pas vu. Tout est comme ça à Soulac-sur-Mer. C'est beau. Oui, ça va, oui. La bonne humeur dès le matin. On peut espionner les voisins par le petit trou. Coucou Baptiste. C'est tout le temps la gueule. J'en peux plus, toi. Alors, on était au port, ici, Verdon-sur-Mer, et on va remonter jusqu'au fort et à la pointe de la Grave. Actuellement sur une plage de naturisme. Ben voilà. Il n'y a personne. Ça va? Alors d'accord. Un autre petit camping.
lac naturel de France avec du pain et de la tartinade d'amandes au sucre cuite au chaudron. Nous sommes mercredi 9 août. Baptiste est parti faire pipi, donc on aille à la plage. On a fait des sandwichs. Thomas nous a tapenade d'olive verte. J'ai des méga coups de soleil de partout. Baptiste a des coups de soleil au pied. Ouais, ça fait trop mal. Et on y retourne quand même. Avec le parasol, des bouquins. Et tout va bien. Tout va bien, Baptiste ? On était un peu chaos ce matin, on s'est levé. Toujours, hein. Mais le thé a fait du bien. Le thé noir là de tout à l'heure. On s'est levé tôt. Moi j'étais réveillée à. Je sais plus, je me suis réveillée à 4h30. Il n'y a personne. Après je me suis réveillée à 5h, ensuite à 6h30. Et on s'est levé à quelle heure ? On s'est réveillé finalement un petit peu après 8h. On est allé visiter. Ourtin. Ourtin, le lac d'Ourtin. Et puis on voulait faire Blaye. Ouais, ça c'est en face non, du Blaye parce côté, que Blaye. Le fort Médoc, mais on le fera une prochaine fois, on était trop fatigués. Et aujourd'hui il fait 31 degrés. Il fait 25. Ok, pour l'instant il fait 25, on dirait qu'il fait juste 40, mais tout va bien. Qu'est-ce qu'il a fait chaud aujourd'hui ? 36 degrés au compteur. 34, c'est redescendu là. 34. Attends, on a cagnard tout à l'heure, c'est pour ça. Mais il a fait chaud. Et on a encore bien cuit et bien de partout. Parce qu'on était encore au pays des culs. Et c'était bien. C'est vrai que. Maintenant on va aller se laver parce qu'on est salé partout. Je suis sûr qu'on pourrait faire une salade bien avec tout ce que j'ai sur le corps. Une salade salée. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Pizza aux anchois avec mon sel de corps. Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? Ce soir, on va se laver. Et puis après on va. Faire un petit apéro. Un tapéro ? Ouais, un tapéro, et puis on va discuter ensemble comme des amoureux. Et puis voilà. On va finir les pâtes. Et on va finir les putes, ouais, et puis voilà. Et quoi ? On va finir quoi ? Les pâtes. Okay. J'ai cru mal entendre. On parle de Lacanau depuis 3 jours, et aujourd'hui tu me dis qu'ils font du surf là-bas et qu'il y a des grosses vagues. Allez. Et tu me dis non, mais parce que je le sais. Mais tu le sais parce que tu as regardé sur internet non, récemment. Non, c'est mon père qui me le disait quand j'étais petit. Donc, depuis 3 jours, on parle de Lacanau et tu m'avais toujours pas dit qu'il y avait des grosses vagues à Lacanau. Oui, j'avais pas dit. Tu caches bien ton jeu, Baptiste, excuse-moi. Oui. Meilleure idée de l'année, se faire une frange avant de partir en vacances. Frangipane. Merveilleux. Franchement, à ne pas reproduire chez soi. De Schwarzkopf. C'était n'importe quoi. Ah ah, et c'est parti ! Non, et où ? Les animaux des. Il y en a pas. Des pins. Ce qui va arriver là, c'est juste que je vais écraser une ou deux puces de sable et puis c'est tout. T'as les pieds cuits. Ah oui, hein. C'est pas que les pieds qui sont cuits, il y a le garçon aussi. Montre-nous ce beau parasol, puisque tu as oublié notre parasol en partant à la plage. Ah. Tout le nécessaire de survie. Une bouteille d'eau, une vapote, deux baguettes de pain, du PQ et du film étirable. On est bon. Ça, c'est pour étrangler les filles qui sont pas sages. Tu veux m'étrangler au film étirable ? On va chercher de la pâte à tartiner pour faire des petits déjeuners qu'on va déjeuner sur la plage. Passer la matinée sur la plage, pas rentrer trop tard. On fait quoi 10h, 15h30.
photo des blocus Baptiste, il a cassé sa carte SD. Tu peux casser. Là, ça a arrêté de fonctionner pour ça. Elle dysfonctionne. Voilà, exactement. Fonctionne. Fais des bisous à la caméra. Bisous à la caméra. De la plage du Gurt, il y a des beaux blocos. C'est encore le matin donc il n'y a pas beaucoup de monde. On a Baptiste là-bas, et je ne sais quoi. C'est vraiment sympa. On va où ? Chez les cunus. Chez nous ? Oui, chez nous. On va rejoindre les copains cunus. Cool. Montre. Montre ce que t'as volé à la mer. Un caillou blanc. Aïe, aïe, aïe. T'es pas bien là ? Hein ? Coucou. On est en drapeau jaune, orangé. Jaune. Jaune. Tu ne vois pas à gauche. Tu ne vois pas à gauche. Et on s'est bien amusé dans les vagues. On va pas trop loin parce que bah, on est sur une plage qui n'est pas surveillée. Et qu'il n'y aurait personne pour nous sauver la mise. Il y a personne. Bon, il y a une personne. Deux personnes. Trois personnes. Et là, il n'y a personne. Sur la plage depuis combien de temps là ? Peut-être 11h, 11h30 ? J'ai pas mon téléphone. Bah attends, je regarde quelle heure il est. Il est 14h, on vient manger un bon taboulé après une promenade de 30-40 minutes sur la plage et puis encore bien 15-20 minutes de baignade. Et puis là, on va se poser, chiller, écouter un petit peu de psy trans, peut-être lire un peu. On rentre sur le coup des 16h pour commencer à ranger un peu le campement. Là, il commence à y avoir pas mal de vent. Et de nuages et de vagues. Comment montrer les vagues sans montrer les culs ici ? Les culs montrer de le cul des vagues. Il y a encore des bestioles dedans. Bel engin. Ha 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 ha!